C'est un match de Coupe de la Ligue qui nous est proposé aujourd'hui. Oui, ça devrait nous donner un match spectaculaire. L'équipe à domicile dont voici la composition. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Une équipe qui va évoluer plutôt en confiance. Je rappelle qu'elle reste sur une victoire à l'extérieur. Une belle victoire, 3-0, net. L'équipe est capable d'enchaîner. Vous me disiez tout à l'heure en arrivant que l'architecte de ce stade, il avait voulu amortir son achat de règles et d'équerre. Hein. Oui, oui, c'est carré, c'est propre, c'est net. C'est sûr qu'il n'a pas beaucoup bossé au compas. Hein. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. La passe est interceptée. On s'approche de la zone de vérité. Fofana. Ah, ça ne passe pas. Maxime Barthelmé. Mathieu Bonnemer. Elle est peut-être une bonne occasion. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Et attention sur les prises d'appui aussi. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. Fofana. Excellente passe. Attention le tir. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Un gardien puissant hein, sur cette frappe. Il faut souligner la qualité de cette frappe, là, qui a quelques centimètres du poteau, c'est parfait. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ouais, joli, le 1-2. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Elle gagne son du... Ah ouais, la bonne passe. Il prend sa chance.
Et ça fait but. C'est sous la barre, hein, parade pour le gardien. On revoit ce but au ralenti. Ouais, le capitaine qui a pris ses responsabilités. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. D'ailleurs, plutôt content, l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Ouais, la bonne circulation du ballon. Les 30 derniers mètres. Ouais, il parvient à stopper cette offensive. Fofana. Shakir à la dure. Le ballon qui sort. Fofana. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Mathieu Bonnemer. Fofana. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon. Magnifique. Eh oui, corner. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Attention, il a du champ devant lui. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Bien parti. Oh la barre, attention, c'est pas fini. Il tacle. Le ballon va être en touche. Touché, raté, le ballon est perdu. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. C'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Il est dépossédé du ballon. Ouais, bien joué le défenseur. Saïd Benrahma. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ça part bien, action dangereuse. Bourillon. La frappe. Ah, c'est contré.
Brouillon. Shakira la dure. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Fofana. Oh, l'arbitre qui laisse. Oh, s'il marque, il relance le match. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Saïd Benrahma. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. L'arbitre et le gardien qui s'emparent du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Maxime Barthelmé. On s'approche de la zone de vérité. Traoré. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Avec un tir. Et c'est sur la barre. Ça n'ira pas plus loin. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but et son équipe mène. Donc, bonne première période de sa part. C'est reparti dans ce match de Coupe de la Ligue. Début de la seconde période à l'instant. On s'approche du but. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ça n'ira pas plus loin. Saïd Benrahma. Ça c'est bien sur l'aile. Ah, ça ne passe pas. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention, il est tout seul. Il est tout seul. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Attention, il a du champ devant lui. Il prend sa chance. Contré. Shakira la dure. Il s'avance vers la surface. Un bon ballon qui va peut-être trouver le premier. Ah, de la tête, c'est super.
Ah, il y a l'anticipation, la puissance, la précision, il y a tout. Tout y est, sauf coup de tête, le timing, la précision et évidemment la puissance. Et ce but qui signe peut-être leur retour. Oui, ils sont en train de faire une belle remontée là et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. On a atteint l'heure de jeu. On écarte le jeu. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il est dépossédé du ballon. Et la voilà la frappe. Un corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Ah, attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. Bien frappé ce cornet. Il s'est dégagé du point. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Maxime Barthelmé. Oh, le long ballon pour renverser le jeu. Ah, mais ça... Il va peut-être pouvoir égaliser. Oh, quelle occasion! Oh, quelle occasion, il l'a manqué. Ouais, il reste du temps dans ce match, mais ça aurait été bien d'égaliser tout de suite. Traoré. Fofana. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le gardien qui dégage son camp des deux. Il va y aller. Et le gardien a sorti au point. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. En deux temps, peut-être ce corner. C'est parti vers le deuxième poteau. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est quand même un peu plus logique hein, qu'il marque ce but. Alors, la combinaison était tellement écrasante, ça a fini par payer, évidemment. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Un sourire entraîneur, et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Saïd Benrahma. Oh oui, encore une bonne passe. Oh, c'est bien donné en profondeur. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon aujourd'hui? Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre.
Non, on a bien compris. Le bon ballon. La frappe. Oh, ça va être dedans. C'était quand même un tir bien foireux, mais qui termine sa course au fond des filets. Il n'est pas très beau, mais bon, il compte. Buteur qui a bien fait de placer son ballon plutôt que de frapper en force. Belle lucidité. Ah, c'est bien ce qu'ont fait les joueurs sur ce but. On va revoir tout ça au ralenti. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il la repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Il s'avance vers la surface. La touche. L'entraîneur qui apporte du sang neuf à son équipe avec un changement. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Oui, attention. Ouais, voilà, ça fait but. Un but marqué. Un petit peu de démobilisation dans la défense. On peut le comprendre. Bah, l'issue de ce match ne fait plus aucun doute depuis longtemps. Et bien voilà, un but marqué totalement contre le cours du jeu. Hein. Oui, ils sont largement dominants ce match, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Et ils n'ont jamais baissé les bras aussi. Hein. Il met la présente 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Allez, ça joue vers l'avant. Le centre à destination de ses partenaires. Attention, ça peut être dangereux. Oui, il va centrer. Oh là là, l'occasion. Ouais, il a bien repris, in extremis. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Maxime Barthélemy. Peut-être une bonne opportunité. Attention, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Ce sera sans problème hein, pour le gardien. Il a bien anticipé là. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. C'est terminé. Les joueurs qui s'imposent donc dans ce match de coupe. Ils vont pouvoir continuer cette belle aventure. On les retrouvera avec plaisir dans cette compétition. On a eu un bon joueur aujourd'hui. Un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.